triconote j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous 5 sur 5 vous me voyez bien vous m'entendez bien vous entendez bien la douce voix oh yeah <laughs> bonjour alors je vois qu'il y a déjà pas mal de monde bienvenue à toutes et à tous ça fait plaisir de vous retrouver en ce dimanche pluvieux <laughs> Alors, tac tac tac, prenons un petit peu le chat que je l'ai plus sous les yeux, il a disparu! Il a disparu! Alors, voyons, bonjour tout le monde! Bonjour Julie, Émilie, Adeline, Elisabeth, Zabeth, salut Siz, euh, Zaza, Emmanuel, Gina, salut Yayoun, Hélène, lalaine salut, salut! Jean, bonjour, Sylvie, bonjour, Fanny, salut, Mado, bonjour, Sarah, Michel, Loloden, bonjour tout le monde! Pouce mi, je ne me rends compte qu'il n'est pas bleu. Ah, je ne sais plus. Peut-être. Il est guéri, peut-être. Mais bon, en tous les cas, merci pour les pouces. En effet, pensez aux pouces bleus, c'est important. Aux pouces vers le haut, du coup. Merci de le rappeler. J'ai fait pouce bleu pour ne pas oublier. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, des Speed Draws, speed draw, Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. Problème familial, mais très content de vous retrouver. Ben, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te retrouver. Euh, Françoise, bonjour. Ici En Charente Maritime Dimanche gris, frais et venteux, je vous souhaite un bon moment de radio. Merci Françoise. Euh... Toute -toute. Oh, Coco qui est pas gentil. Je pense que il y a tout le monde qui me dit 5-5, donc je pense qu'il qu faut mieux que tu recharges la page. Tu peux chanter, il pleut ici déjà. Oh, c'est pas gentil! <laughs> Retour à GMT Plus 1. Je vous envoie du soleil, même s'il y a beaucoup de vent. Merci Roseline. Bonjour de Québec. Bonjour Québec. Allô Québec. Pouce, c'est blanc. Ah, peut-être. Ok, d'accord. Je suis pas au courant. Je n'ai pas fait gaffe. En plus, moi-même, je mets des pouces bleus, mais j'ai jamais fait gaffe à la couleur. J'ai hâte de voir la suite de la création du châle. Ben, moi aussi, j'ai super hâte. En vrai, j'ai méga hâte. J'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. Je me suis dit, ah, oh, yes, on va faire. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. En vrai, il va y avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup de calculs à faire, mais euh, ça va vraiment être intéressant. Bon matin du Québec, bon matin Québec. Bon matin Québec. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Alors, on va commencer tranquillement, tout doucement. On se met en route. Moi j'ai ma tisane. J'ai ma tisane, elle est encore énormément chaude, donc je ne vais pas la boire au risque de perdre mes cordes vocales. Donc je vais la laisser refroidir, et en attendant qu'elle refroidisse, est-ce que ça vous dit qu'on fasse la petite intro La petite intro. Ah, toi aussi, tu tricotes en dormant régulièrement. <laughs> Il y a quelques temps, j'ai fait un rêve, mais c'était un truc de malade. J'ai rêvé que je parlais en français, en anglais. En italien et en langue des signes. J'ai parlé les quatre langues que je connaissais et je peux vous dire que c'était très bizarre. <laughs> J'avais vraiment l'impression que mon cerveau réfléchissait et je parlais bien en plus. Enfin, J'avais une bonne, un bon suivi, donc c'était un bon flow, donc c'était cool. En anglais, il n'y a pas de souci, mais l'italien, ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Donc je m'entendais en rêve et je disais Ah, oh, quand même, j'ai pas perdu <laughs> Bref. Le genre, de, le genre de rêve un peu rigolo comme ça. Euh, et puis en, en, en rêve, j'ai aussi tricoté un nombre incalculable de fois. J'ai vu beaucoup de modèles de la collection Islande, je les ai vus en rêve. Donc euh, pour la petite histoire. Euh, je tricote mon premier pull en t'écoutant. Eh bien, euh, bienvenue Emma et bon tricot Super café tricot d'hier, Jainel, c'est rigolo, je m'étais justement inscrite au cal de Solène la veille. Ah, mais comme quoi. <laughs> um, coucou, tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir. Oui, j'ai bien dormi, je me suis bien reposée, ça fait du bien. J'ai rêvé de tricoter avec les pieds. Ok, pourquoi pas. C'est original. <laughs> Moi, je trouve ça très original, pourquoi pas. Souvenir d'une vie antérieure, peut-être. Peut-être. I have a dream. Ça me rappelle un truc. <laughs> Matou en a appris. A appris en même si. Matou a appris en même si. J'ai pas compris. J'ai pas compris la phrase. Un refrain monitoire. Oh, certainement. Sans les aiguilles. Euh, bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier mm, mal. Je suppose calme. Mais en tout cas, bienvenue à toi, Anne. Ça fait plaisir. C'est fini les lives du mercredi. Alors Corinne, le mercredi, en effet, pour l'instant, euh, c'est vrai que j'en ai parlé sur le Discord. Je ai pas parlé dans la radio. Euh, les lives du mercredi, à la base, ils étaient faits pour le confinement. C'est comme ça que j'avais démarré. Je faisais un live tous les jours durant le premier confinement. Et après, j'ai fait un petit. J'ai continué, même si le confinement s'était arrêté. J'ai continué à faire les lives du mercredi. Et euh, du coup, et en fait, ça me prend quand même énormément d'énergie. Je, je dois l'avouer, ça me prend énormément, énormément d'énergie. Ça dure une heure, et même une heure, c'est quand même beaucoup d'énergie. Je donne beaucoup d'énergie aussi. Et euh, c'est quelque chose qui, en effet, va se calmer. Mais, je le rassure, il va y avoir de temps en temps, je pense, une fois par mois. Je pense que c'est bien une fois par mois un live sur Instagram, comme ça. Euh, et notamment pour le suivi du projet de châle qu'on est en train de faire ensemble. Et comme ça, moi, ça me permet de me reposer un peu plus. Et vous, ça vous permettra aussi d'avoir de temps en temps quand même des lives sur Instagram. Euh. Bonjour, Janelle Matou, les triconautes. Bonjour, Mireille. Comment allez-vous On va bien, merci. Euh, je suis en train de préparer avec Matou notre petit séjour en Ardèche. Alors, oui, ne m'écrivez pas, s'il vous plaît. Je sais, j'ai fait une erreur. J'ai dit Aioli au lieu d'Aligo euh, dans mon mail privé euh, de ce dimanche. Je sais que je me suis trompée. Ne m'écrivez plus. <laughs> ne m'écrivez plus pour me dire que je me suis trompée. Je sais que je me suis trompée. Euh, ne m'écrivez plus pour dire. T'as dit Yoli au lieu d'Aligo Oui, je sais, j'ai dit Yoli au lieu d'Aligo. Je me suis trompée. Ok. <laughs> j'ai compris. Euh, c'est bon, vous pouvez ne plus m'envoyer de mail à ce sujet. <laughs> euh, c'est pratique. Attends, tu tricotes avec les pieds et tu peux éplucher les patates. Ah oui, bah alors là, euh, super multipouvoir euh, en mode mul pieuvre multitâche. <laughs> c'est bien, c'est pratique. Fini un châle avec des franges mais le plus long ce sont quand même les franges. Alors j'ai demandé à ma meilleure amie qui a passé le week-end à la maison ça c'est cool de se faire aider. Bonjour à toutes, première fois pour moi sur le chat. Bonjour Brigitte, bienvenue à toi. Oui, bras, huit manches à tricoter aussi. Ah oui, ça sûr, ça, ça, ça sera plus long. Un live une fois par mois, c'est très bien, merci. Euh, une bonne truffade aussi. Ah la truffade je connais pas. Ah ça y est, je vois Jaenel. Bonjour, bonjour Roseline. Alors... Mmh. C'était un rapsus un révélateur, t'avais juste envie d'Ayoli. Ouais, ça doit être ça. <laughs> ça doit être ça, j'avais juste envie d'Ayoli en fait. Je me disais que j'avais raté quelque chose avec l'Ayoli Selvnole. Ah, le fameux Ayoli Selvnole. <laughs> On n'en entend jamais parler, mais c'est normal, ça n'existe pas. <rire> Donc. <rire> Bref, bon tout ça. bref, pour vous dire que j'ai bien ri quand je me suis aperçue de mon erreur, et apparemment vous avez bien ri aussi. Le principal c'était que vous me compreniez et que vous compreniez que je voulais dire Aligo et non pas Ayoli. Bref, en même temps, quelle idée de faire démarrer un plat par presque la même lettre. En tout cas, euh, on va démarrer par notre petite intro. Donc c'était ça l'intro. Euh, notre petite intro, on va commencer par les petits articles qui sont sortis cette semaine. Les articles cette semaine, il y en a eu trois, j'ai fait du rab. Euh, j'ai fait du rab, il y en a eu trois. Il y a eu comment mettre un écheveau en pelote facilement avec un bobby noir. Très bientôt, euh, je pense qu'on fera une vidéo avec Matou pour euh, illustrer ça en vidéo en plus. Ainsi que euh, en profiter pour mettre à jour les photos également de cet article qui sont un peu ancienne et euh, ça va être chouette. Ensuite, il y a également l'article comment lire une étiquette de laine. Celui-là, il a été entièrement remanié euh, et j'ai fait en sorte de pouvoir vous expliquer un petit peu comment on fait pour lire une pelote de laine, donc une étiquette de laine. Et enfin, quatre astuces pour ranger ces pelotes de laine. Donc celui-là, je l'ai remanié, amélioré un petit peu et euh, comme ça, ça fait de nouveaux articles. Donc tout ça, c'est sur le blog, bien entendu, comme d'habitude. Alors, ensuite, le café, le café, il y a le café qui est sorti hier, le café à 18h avec Solennitz qui était présente, que j'ai pris le temps d'interviewer. Et euh, c'est... C'était cool! On a parlé en fait des différents cycles de créativité avec Solène et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu, apparemment ça vous a bien euh, inspiré. Et, euh, et c'est euh, ainsi du coup euh, qu'est sorti le café tricot de cette semaine. Alors. Oui, c'était trop drôle, Yoli! <laughs> Euh, cette nuit j'ai regardé plein de vidéos de tes explications pour le point, tu es très douée, merci c'est très gentil Maude. Louise, bonjour Janelle, j'ai pensé à une laine peut-être de l'angora, qu'en penses-tu euh, L'angora pour notre châle pourquoi pas, mais j'ai un doute sur le fait que le point de riz ressortira, parce que le point de, dans l'angora, c'est un fil qui est assez flou, euh, qui aura tendance à flouter le, le point de riz, qui disparaîtra du coup, étant donné que c'est un point plutôt texturé. Je crains que ça ne ressorte pas comme tu souhaites. Euh, c'est bizarre, moi j'ai plein d'articles qui apparaissent comme nouveaux, mais oui, il y en a plein d'autres. Là, j'en sélectionne en gros les trois, les trois, mais c'est vrai que assez régulièrement je, je mets à jour des articles. Euh, merci pour ce café tricot avec Solène, une belle découverte pour moi. et eh bien, écoutez, je suis contente que de vous avoir fait découvrir Solène. Ensuite, ben, on parlait des mails privés, ben oui, en effet, si tu n'es pas inscrit ou inscrite aux mails privés, je t'encourage à t'inscrire à, à, à ces mails privés. Les mails privés, il y en a deux dans la semaine, il y a le mercredi avec la Minute Tricot, avec les vidéos euh, qui sont sorties de la semaine, plus une astuce inédite dont j'ai jamais parlé, plus... Euh, parfois, des, parfois des, des modèles mais c'est plus rare on a plus des astuces c'est vraiment j'essaie vraiment d'accès plus astuces et on a aussi des articles donc tout ça c'est dans la minute tricot c'est le mercredi c'est un mail avec tous ces éléments là et il y a aussi le mail du dimanche, où là c'est moi qui t'écris, avec euh, des astuces, des techniques. Donc là c'était euh, le sujet de ce mail-ci, c'était sur les boutonnières euh, ratées, donc comment faire pour éviter les boutonnières ratées et comment corriger ça. Et je te donne plusieurs astuces en fonction. Et parfois aussi je parle sinon de... Euh, j'ai eu plus une réflexion parfois philosophique sur notre pratique du tricot. Ça dépend un petit peu, je, ça dépend de mon humeur du jour. C'est soit des astuces, soit, ce, soit des réflexions plus philosophiques. Et euh, c'est euh, en tout cas de, de ce que j'ai cru comprendre en format qui vous plaisait énormément. Donc je suis vraiment contente de savoir que les mails vous plaisent. Euh... <laughs> Je suis allée voir ta vidéo, jour oblique, nickel, j'ai fait ma fiche, il est facile comme tu avais dit. Mais je l'ai dit, il est super facile ce point. Vraiment, il est, il est extra simple. Une laine 50% mérino d'arles, 50% mérino portugal, elle sera parfaite. Elle n'aura pas de poils et elle sera super douce parce que le mérino d'arles, euh, c'est une de mes laines préférées et euh, il faut savoir que c'est une laine qui n'a pas de jarre. La jarre, c'est une sorte de fibre qui est bien plus. Euh, euh, solide et qui a tendance à gratouiller bien plus. Donc euh, le mérino d'Arle, ça sera extrêmement doux, très bon choix, euh, et ça rendra très bien. Euh, et si on prend une laine avec un fil de mohair mais pas dans le point de riz. Alors là, ça peut passer. Si ton fingering, si ta laine, tu ne tu, tu mets pas de mohair dans ton, dans ton point de riz, ça peut passer. Oui, ça passera. Euh, avec de l'acrylique, c'est possible. Oui, c'est possible. En fait, le but, c'est d'avoir une laine, on va en reparler, mais le but, c'est d'avoir une laine qui est pas trop floue, qui n'a pas trop de poils, donc type mohair par exemple. Euh, qui risque de cacher le motif de poignerie. Donc c'est plus pour euh, ce genre de choses-là. Après, toutes les autres laines passent extrêmement bien, donc euh, vous inquiétez pas, l'acrylique, le mérino, les mélanges de laine, ça passe très bien. Donc vraiment, tranquillisez-vous à ce sujet-là. Et de toute façon, pour savoir, il faut savoir... Il vaut toujours mieux de toute façon faire un petit test avec votre laine. Donc vous faites un petit bout de point vous regardez si ça ressort bien. Vous faites un petit bout de point de jour oblique, vous regardez si ça ressort bien. Et si ça ressort bien, c'est que ça sortira bien dans le point. Dans le châle. Oh. Alors, couleur créative. J'ai regardé la radio tricot pour tricoter en anglais, ça m'a vraiment aidé. J'ai pris plein de notes. Bah écoute, tant mieux, je suis contente qu'elle t'ait plu. Alors... Ensuite, les vidéos cette semaine. Donc toujours on est resté, on reste, maintenant, on reste maintenant sur une vidéo par semaine en ce moment. Et en ce moment du coup, donc cette semaine, la vidéo qui est sortie c'est sur les mailles Elle vous a bien plu On voit les mailles torses en vert, les mailles torses en droit, les côtes demi-torses et les côtes torses. Et c'est cool parce que ça vous permet de comprendre la différence entre les deux. Euh, je fais bien un parallèle justement entre les deux. Vous voyez de vraies mailles torse, 100% torse et des mailles demi-torses. Ça vous permet de bien voir le différentiel et comment faire les deux. C'est, je pense, assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'intro Ah, oh ben l'intro est finie. Ça hein so y yeah. est. So ça y est, yeah, l'intro est finie. Alors, je prends rapidement le chat du coup. Euh, un gros merci, ça tombait à point avec ma boutonnière ratée, je l'ai refait et grâce à tes astuces, j'ai réussi. Bah écoute Nathalie, je suis contente, c'est cool ça. J'ai en 4 fils Sport Rose 30 pelotes, ça peut le faire. Euh, 30 pelotes, t'as large de quoi faire à mon avis. Du coup, Alpaga, c'est possible. Alpaga, c'est possible. Il faut tester, mais je pense que ça passe. Bonjour JNL, je suis contente de t'avoir en direct. Bonjour Alzina, moi aussi ça me fait plaisir de te voir en direct. Une vidéo par semaine sur YouTube Oui, une vidéo par semaine et le mercredi, me semble, Matou me corrigera au besoin, mais elle sort le mercredi à midi, généralement. Il peut y avoir un peu de retard, elle peut être sortie le soir, mais généralement c'est le mercredi. En retard, cause réunion de famille. Bonjour tout le monde, bonjour Georgette. C'est joli ça, Georgette comme prénom. Manou, j'ai vu cette vidéo, en effet, c'est super. Ok. Alors, moi, je vous dis, j'ai choisi la laine que, que je vais utiliser pour euh, le châle. Je vais vous la montrer. En fait, je l'ai, euh, ça fait un moment que je l'ai dans mon stock parce que euh, je l'ai utilisé pour euh, le pull en jacquard que j'ai réalisé pour euh, Jacquard Enchanté. Et en fait, pour la petite anecdote, lorsque j'ai commandé, il y avait une furie, une furie acheteuse sur euh, Drops, sur Kalidou, et euh, j'avais besoin de couleurs très précises que j'avais euh, sélectionnées auparavant, et en fait, il n'y en avait euh, quasiment plus. Et euh, à chaque fois que je rechargeais ma page, il y avait les stocks qui baissaient, donc c'était vraiment euh, une furie acheteuse <laughs> sur Kalidou. Euh, sur et euh, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris euh, beaucoup 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 plus de laine que ce qu'il fallait euh, en me disant euh, on sait jamais, j'avais pas eu le temps de calculer le nombre de pelotes ou de métrages dont j'avais besoin et j'ai pris euh, plus que ce qu'il fallait. Voilà, donc <laughs> je me suis retrouvée avec beaucoup trop de pelotes et aujourd'hui il est temps que j'écoule un petit peu ce stock. Donc j'ai choisi de tricoter mon châle avec la charisma une couleur beige beige clair. Euh, Charisma, donc c'est une laine super wash. C'est une laine 100% laine, mais je la trouve très bien, moi je l'aime beaucoup. Il y en a qui disent qu'elle gratouille un peu, mais, mais avec le... Moi je ne me gratouille pas quand je fais ça, c'est pas rouge. Euh, et moi je l'aime bien parce que je trouve qu'au fil de lavage, elle s'adoucit, donc elle est très agréable à tricoter. Donc euh, je pense utiliser celle-ci pour mon châle et euh, partez du principe que le châle, vous allez le tricoter avec une taille d'aiguille plus grande que ce qui est recommandé sur la pelote. Donc moi par exemple sur la Charisma, euh, elle est recommandée en 4 mm, donc je vais tricoter mon châle en 5 mm. Comme ça, ça me permettra en fait d'avoir quelque chose qui est un peu plus aéré, de pas trop serré et euh, qui sera bien mieux du coup au niveau des, des jetés, au niveau de la dentelle. Donc ça c'est la laine que je vais utiliser et pour être sincère avec vous, je me tâte à le faire en bicolore. Je réfléchis encore, ça dépendra quand j'y arriverai, mais je me tâte à faire la section en riz avec la laine beige, euh, la section jour oblique en jaune et après l'insertion en beige, et puis après mon, ma bordure en jaune. Je sais pas trop, je réfléchis encore sur ça, euh, parce que j'ai quand même beaucoup de beige à écouler, donc ça, à ce niveau-là, c'est pas vraiment ça le problème. Mais euh, c'est vraiment à ce niveau-là que... Voilà, je, je vous dis sincèrement, je pense que je vais être sage, et je vais euh, écouler le stock que j'ai. Matou sera content. <laughs> Matou sera très content que j'écoule mon stock. Donc, salut <laughs> Il sera très très content. On lave pas un châle très souvent. Non, on lave pas un châle très souvent. Mais euh, au premier lavage, en fait, dès le premier lavage, elle s'adoucit, elle en fait. Euh... <laughs> Bonjour, le châle est toujours à la mode. Oui, le châle est toujours à la mode. J'ai envie de faire des chaussettes, des pulls. Par contre, je préfère une étole plutôt que le châle avec les mêmes points. Euh, ok, bah tu fais ce que tu veux. Est-ce que nous sommes revenus? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous me revoyez? J'attends un petit peu vos, vos retours à ce niveau-là. Ah, c'est la cata. On appelle, on, a, on appelle de tout le monde. C'est la cata, catastrophe. C'est la cast, catastrophe. C'est la castafiore. Matou débranche le fer <laughs> Alors celle-là, celle-là elle est extraordinaire <laughs> Non, c'est pas mal c'est je pense c'est juste Internet qui nous a lâchés, vous inquiétez pas. Euh, donc on est de retour, vous inquiétez pas. Alors, voyons un petit peu, est-ce que je peux faire euh, redémarrer le chat Alors Matou me fait signe que tout va bien, mais moi j'ai plus mon chat à jour, c'est tout. J'ai plus mon chat à jour... J'ai plus mon chat à jour. Bon. Et, euh, Matou, j'ai juste mon chat qui est plus à jour, c'est tout. Donc je suis juste un peu embêtée sur ce. Sur ce. sur cet élément là. Je vais essayer de le faire revenir. J'essaie un dernier truc et euh, comme ça, ça me permettrait vraiment de voir le chat. Ça serait pratique, mais... Parce que je le vois, mais juste sur l'ordre. Leur... Il n'y sera pas lors de la rediffusion, c'est tout. Ok. Bon. Nous revoilà. Vire le... Vrille le chat. Vrille, vrille le chat. Vrille le chat. Vrille le chat. Euh... <laughs> bon. Je ne sais pas trop quoi faire de ce chat, tant pis. Je vais le laisser et, euh, et il restera là. Il restera fixe. C'est pas trop gênant, Matou, si le chat reste fixe. Euh, oui, mais moi, de, sur, la, euh, sur mon image, il est fixe. Mais bon, c'est pas très gênant. On va faire comme ça, tant pis. C'est pas grave, je vais faire comme ça et tant pis. Il y a un petit lag aussi avec le son et l'image ou pas Je sais pas. OK. Bon. Alors, on va faire euh, on va faire comme ça. OK, super. 5 5, vous m'entendez Relance l'application. Non, on va pas relancer l'appli. Euh, ça me paraît bien comme ça. Le chat est bloqué. On va faire sans le chat, vous inquiétez pas. Moi, je le vois. Moi, je vous vois écrire, mais le chat à la rediffusion sera bloqué là. Tant pis. Ok, super. Merci pour les 5-5. On va continuer. Donc, la laine Wish de chez Drops laine serait-elle correcte me demande Martine. Elle est trop épaisse. C'est leur toute nouvelle. Elle est trop épaisse. Elle est à 9. Elle se tricote à 9. C'est trop épais. Euh, je trouve ça un peu trop épais. Sauf le chat à l'écran. Oui. Alors, en effet, comme je disais, ça sera la seule chose qui va pas. Mais au-delà de ça, euh, c'est tout. Tout fonctionne bien. Donc, on va continuer comme ça. Même si le chat euh, sur le côté reste fixe, c'est tout. Euh, bien, bien, bien. Alors, euh, on va démarrer. Du coup, si vous êtes euh, prêt, prête, qui est Matou Matou est mon acolyte dans la vie et euh, il m'aide beaucoup sur tous les plans techniques. Donc, par exemple, quand on a une copie en internet <laughs> en plein milieu d'un chat, tant pis. Fil light de fil d'art, ça ressemble à du moir. Tu verras pas ton point de ri Melissa. Ok. Alors, euh, on va commencer, ça vous dit hmm Ready Après euh, toutes ces euh, péripéties, Alors, je prends le tableau blanc et on va commencer notre, euh, nos calculs. Alors, on va faire un petit rappel, si ça vous va. On va faire un petit rappel sur euh, ce qu'on avait prévu. Alors... Aiguille 5, ça passe. Aiguille 5, ça passe très bien. Moi, c'est ce que je compte utiliser. Alors, petit rappel. Je vous mets le dessin. Voilà. 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 Donc, je vous mets le dessin. Une laine alpaga ça irait. Il faut tester aussi. Il faut faire aussi avec un échantillon. Donc, petit rappel. Petit rappel. de ce qu'on avait euh, créé. Alors, nous avions créé un châle triangle. Pensez au pouce bleu. Oui, pensez au pouce bleu. Nous avions créé un châle triangle et le but c'était d'avoir du coup deux euh, sections. Alors, il y avait plusieurs façons mais je crois qu'on était resté sur deux sections. Une section en point de riz. Une section en point de riz. Point de riz. Une section avec les jours obliques. Donc, comme ça, là. Donc, les jours obliques, c'est que des jours comme ça. Donc, les jours obliques. Et une section avec des insertions. Donc, les insertions, c'est sur fond de jersey. Donc ça, ça donnerait quelque chose dans ce goût là. Je vais vous montrer les insertions que j'ai sélectionnées pour le châle. Les insertions que j'ai sélectionnées, c'est... Tac tac tac, faut juste que je la retrouve. C'est une insertion de, en, de, qui est issue d'un livre que je possède sur la dentelle Chatland. Et euh, c'est des, des insertions dites cluster un petit peu. Et euh, c'est super facile à faire, ça ressemble un petit peu à un nuage, c'est très joli et euh, ça rend euh, extrêmement bien. Donc je pense qu'on va avoir ce type un peu d'insertion dans notre châle donc euh, soit sur fond jersey soit sur fond mousse, en vérité ça changera pas grand-chose. Je crois qu'on avait dit fond mousse d'ailleurs. Donc on aura ce genre de petites insertions qui donnera un petit peu de challenge, on va dire, à celles et ceux qui en auraient besoin et en vérité, s'il y en a qui ont pas envie de faire les insertions parce que c'est trop compliqué, vous pourrez le faire euh, vous pourrez remettre du point de riz, si ça vous dit. Comme ça, ça nous fait quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus sympa, un peu plus euh, challengeant, on va dire. En bordure, en bordure, on était parti sur du, euh, ça s'appelle, j'ai picot. Voilà, ça y est, c'est revenu. Donc, on partirait sur des picots. Donc, petite bordure comme ça. Et le châle, il se tricoterait dans ce sens-là. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, « J'ai une aile, moi je préférerais qu'il soit tricoté dans ce sens-là. » Bonne nouvelle, vous pouvez le faire aussi. Euh, mais moi, je préfère le tricoter dans ce sens-là. Je préfère euh, cette version-là. Pourquoi Parce qu'en fait, ça me permet de mieux manager euh, la largeur que je veux. En fait, quand vous partez dans ce sens-là, vous devez calculer la largeur que vous voulez ici, plus la profondeur et faire plein de calculs un peu plus complexes. Euh, C'est pour ça que moi, je préfère partir de la pointe et après élargir comme ça. Je trouve ça, un, plus logique et deux, euh, plus facile pour gérer la largeur que je veux. Quand je veux quelque chose de très large, euh, ça me permet au moins de me dire, bah, je sais que je veux quelque chose de très large, donc tant que j'élargis, voilà. Euh, non, j'ai pas oublié l'insertion. En fait, c'est comme je disais, on pourrait l'ajouter, mais moi, je pense que je vais rester sur cette version-là. Je pense que je vais faire vie euh, jour oblique et euh, insertion comme ça. Très sympa ces petites insertions. Je suis contente que ça vous plaise. Ouais, les aiguilles vont chauffer. Jamais fait. Alors je vais m'entraîner. En période de Covid, le point cluster s'impose. <laughs> Fond mousse bien, pas endroit ni envers du châle. Ouais voilà, comme ça, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Possible d'avoir une option pour une bordure en point de vague. J'allais vous la proposer parce qu'en fait, je vais vous dire un secret. La bordure que je préfère, la bordure qui est... Euh, Always in my heart, euh, c'est la bordure que je préfère, c'est la bordure en point de vague. Donc, ce que je vous proposerai dans le modèle, c'est une finition. Euh, on va mettre bordure picot. Donc, il y aura une bordure picot et je rajouterai une option pour la bordure euh, vague que j'aime d'amour. Donc, euh, comme ça, vous aurez les deux. Bonjour du Havre, bonjour le Havre. Les picots sont faits à l'avance. Alors, les picots pour les bordures, en fait, il va falloir relever les mailles tout du long ici. Il va falloir relever ici. Il va falloir relever les mailles tout du long et après, on tricotera notre bordure. Non, elle ne se fait pas en même temps que le châle. On devra relever. On devra relever les mailles et après en fait on va la tricoter. On va en fait, je vais vous montrer si on fait la bordure euh, si on fait la bordure vague, on, on, on tricote un, quelques mailles ici à l'horizontale et après on part dans ce sens-là. Et puis après euh, c'est que du rabattage en fait. C'est comme si on rabattait après. La bordure vague est plus compliquée que la bordure en picot. La bordure se fait en même temps ou l'on tricote à la fin. Non, on la tricote à la fin. La bordure, comme je disais, on relève la maille. On relève les mailles et on la, on la tricote après coup. Euh... Ok, donc ça c'est pour les infos. C'est pour les infos, pour le petit rappel, pour se dire ok, on part tous et toutes sur de bonnes bases. Tu es fâchée si je fais les picots au crochet Non, pas du tout, je ne suis pas fâchée si tu fais les picots au crochet, ne t'inquiète pas, c'est Jacqueline. Ne t'inquiète pas, Jacqueline. Oui, c'est ça, elle se fait sur 13 mailles. Merci, euh, merci Adeline, elle se fait en effet sur une dizaine de mailles. Je voulais pas dire de bêtises, mais en effet, elle se fait sur une dizaine de mailles. Donc 13 précisément. Et après elle se tricote comme ça tout du long. Le motif, il est très joli, il ressemble un petit peu à ça. Il ressemble un petit peu à ça et il y a beaucoup de jours. C'est très très joli, j'aime beaucoup. C'est une de mes bordures préférées. Ça tient sur les aiguilles droites. Alors non, il vaut mieux utiliser des aiguilles circulaires. Comme ça, t'as plus de place. Peut-on avoir des images de picots ou vagues euh, Alors picot, c'est. C'est dommage que tu me dises ça. Euh, vague, je crois que c'est sous le lit. Mais j'ai pas envie de, de soulever le lit. Pour, <laughs> pour vous montrer. Euh, je crois que le châle est sous le lit. Mais euh... mm -mm -mm. Pico, c'est vraiment des petits triangles. Et euh, Border Vague, c'est comme la. Ah, je sais bon, ça y est, je sais. C'est comme la... C'est comme sur le, le visuel que tu as de la de la, de la radio et c'est la bordure qui a sur le visuel de la radio tout simplement voilà <laughs> lequel est le meilleur C ou T est? pas compris la question vague c'était sur la photo de la semaine dernière merci Emel. oui en effet c'était sur la photo de la semaine dernière dans Cassiope c'était de la vague oui exact Cassiope c'est de la vague ok donc on va commencer nos calculs. avant de commencer. avant de commencer, euh, il y a quelques petits éléments dont je souhaitais qu'on parle. alors, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs taux de mise en forme pour un châle. alors, j'ai bien dit taux de mise en forme. donc, je vais mettre un truc avant de commencer. avant de commencer. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai quelques petits éléments à donner, donc quelques petites infos assez intéressantes. Il faut savoir, comme je disais, qu'il existe plusieurs taux de mise en forme pour les châles. Vous allez me dire, mais JNL, bon sang de bois, qu'est-ce que c'est un taux Qu'est-ce que c'est un taux de mise en forme Quelle est, quel est, quel est cette bête encore Qu'est-ce que tu nous sors Alors, le taux de mise en forme. Le taux de mise en forme, c'est la façon dont vous allez augmenter, la régularité avec laquelle vous allez augmenter euh, votre, euh, votre ouvrage. Donc j'appelle ça le taux de mise en forme. Surtout qu'on fait un châle triangle. Donc c'est pas juste une augmentation par ici, par là, c'est vraiment très régulier généralement. Dans notre cas, on va partir sur un triangle classique, Le triangle classique, il a quatre augmentations. Tous les deux rangs. Ça, ça crée un châle avec un angle à soixante-dix degrés environ. Donc, vous allez dire, OK, JNL, c'est bon, angle à 70 degrés, ça vous parle certainement. Euh, L'école primaire, normalement, vous avez vu les angles, etc. Un angle à 70 degrés, à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez. Euh, pas mal, quoi. Pardon, c'est plus comme ça en vrai. Voilà. Vous voyez l'angle à 90, c'est pour faire les carrés. Donc ça, c'est un angle, à... c'est même plus qu'un angle à 90, là ce que je viens de faire. Ça, c'est un angle à 90. Et ça, à peu près, hein, c'est exagéré. C'est un angle à 70. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse en fait un châle qui est euh, un peu plus large. On va avoir un châle qui est plus comme ça, nous. Parce qu'en fait, ces, ces augmentations, pour que ça fasse ça, les augmentations, elles sont. Pour faire un châle à 70. Pour faire un châle à 70, il faut que les augmentations, elles soient au centre ici et elles soient ici. Comme ça. Par contre, j'ai remarqué que quand on fait. Ah, pardon. Tableau blanc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Tableau blanc, voilà. Il faut que les augmentations, elles soient au centre. Donc, pour avoir cet élément-là, il faut que les augmentations soient au centre et au milieu. Par contre, j'ai remarqué avec mes différentes, euh, différentes expériences, j'ai remarqué que si on mettait deux augmentations ici, comme ça, donc l'une à côté de l'autre, et qu'on ne mettait pas d'augmentation centrale, on avait quelque chose qui était bien plus large. Et c'est ce que je vous propose de faire. Du coup, on part en fait sur une base de classique, mais on fait un petit changement qui fait qu'on va avoir un angle plus euh, normalement ouvert. Ça vous va Donc, normalement, les augmentations, je vous le dis, normalement, ça se met là. Il y a une augmentation là, une augmentation là au centre. Mais je vous propose, nous, de ne pas faire ça, mais de faire ça. Pour avoir quelque chose qui est plus large. Nickel. Oui, plus doux. En effet, normalement, c'est censé être plus doux. Ok, super. Donc, ça, c'est pour notre modèle. Ce que je vous propose, du coup, euh Normalement, il existe ce qu'on appelle des formules pour créer des châles. Il existe différentes formules. Euh, L'angle est plus grand. Oui, voilà, exactement. Oui, tu peux le faire avec des aiguilles de droite, Sandrine, mais c'est juste que as, tu risques de manquer de place au bout d'un moment. C'est juste pour ça. Oui, mais à la fin, ça fait beaucoup de mailles. Alors oui, c'est vrai, mais par contre... Au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un châle qui est bien enveloppant et en même temps avoir peu de mailles. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est. Euh, voilà. C'est, je pense, le meilleur, le meilleur des deux mondes. Donc, en effet, ça fait beaucoup de mailles, mais euh, c'est euh, la rançon, euh, la rançon de, de notre bonheur de châle de de qui sera bien enveloppant. Donc, pour la formule de base une idée de l'angle qu'on obtiendrait alors précisément euh, non mais je pense qu'on sera plus je pense qu'on sera plus comme ça donc on dépassera le 90 pour rappel le 90 c'est là donc je pense qu'on sera plus sur du euh... je pense que c'est fort probable qu'on soit plus sur du 110 je vous rappelle, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez les cours de géométrie. Hein. Ça, c'est 180 degrés. Ça, c'est 90. Donc si ça, même... si ça, c'est 0. Ça, c'est 90 et ça, c'est 180. Donc je pense que c'est fort probable qu'on soit aux alentours de 110. En tout cas, les, les tests que j'ai faits. Me faisait en sorte que je pense qu'on sera plus aux alentours de 110, 115. Voilà. C'est une fourchette large, mais c'est à peu près ça. Donc, du coup, je vous rappelle, on augmentera de 2 mailles de chaque côté. Donc, ça fait 4 mailles tous les deux rangs. Voilà. Alors, oui, la géométrie, je sais, c'est compliqué. Mais là, en vrai, quand vous faites des châles. Euh vous serez bien content de. Vous, enfin, quand vous créez des modèles de châles, vous êtes bien content d'avoir des petits rappels de géométrie. Parce que franchement, parfois. Euh, la dernière fois, j'ai calculé un châle, j'ai ressorti des calculs de sinus-cosinus. Je pensais que j'allais jamais les utiliser. Heureusement que j'ai fait S. <laughs> Mais j'ai ressorti des, des calculs de sinus-cosinus. Je pensais même pas que j'allais pouvoir ressortir ça. Bref. Donc, du coup. La formule. Oui, on commence par le bas. On commence par la pointe. Donc, la formule, généralement, on part sur la formule de base. Ça serait quelque chose comme monte 5 mailles, par exemple. Monte 5 mailles. R1, on fait une maille endroit. Une augmentation double. Alors l'augmentation double, vous en avez peut-être jamais entendu parler. L'augmentation double, c'est deux augmentations intercalaires l'une à côté de l'autre qui se suivent. Voilà. Donc une augmentation double, trois mailles endroit, une augmentation double, une maille endroit. Donc vous allez dire pourquoi on a une maille endroit de chaque côté, parce que ça nous permettra d'avoir une maille de bordure propre pour relever nos mailles lorsqu'on souhaitera faire notre, notre bordure. Si on augmente de deux mailles tous les deux rangs, ça change quelque chose Oui, ça change ton angle. Si tu augmentes de deux mailles. Si tu as une augmentation de chaque côté tous les deux rangs. Je reprends ça ici. Je vais enlever ça là. Si tu as une augmentation. De chaque côté, tous les deux rangs, ça te fait euh, un angle généralement aux alentours de 45 degrés. Donc c'est vraiment euh, très étroit. Euh, le triangle étroit, il a généralement. Euh, 4 augmentations au rang 1, 4 augmentations au rang 1, puis 2 augmentations au rang 2. Et ça, ça fait généralement un angle à. Euh, entre 90 et 100, plus 90. On est plus sur un truc à 90. Je mettrai le patron dans le Discord, comme d'habitude, je mettrai le patron gratuitement sur le Discord, vous inquiétez pas. Très mat cet après-midi. Ah oui, là c'est mat. Faut-il tricoter la première maille ou pas Oui, tu tricotes 7 mailles et 7 mailles à l'endroit. Ce pas des mailles lisières. Très important. Est-ce qu'on peut faire un jeté, une maille en droit, un jeté Tu peux même faire euh, plutôt à l'imabo, tu peux faire une maille en droit, un jeté double. Alors ça te fait un gros jeté, mais c'est possible. Tu peux faire en effet comme tu dis, un jeté, une maille en droit, un jeté. Euh... Ou alors, si tu veux faire ça, tu peux faire un jeté double. Et en fait, au rang suivant, au retour... Tu tricotes une maille en droit et une maille en vert dans ton jeté, ce qui fait en fait que ça, tu diminues un petit peu la taille de ton jeté, normalement. On peut faire des augmentations asymétriques pour celles qui le veulent, exemple un côté deux mailles et de l'autre côté une maille, je suggère, pour celles qui le voulaient. Oui, en effet, celles qui voulaient avoir un châle plus asymétrique comme ça. Il faudrait faire une augmentation d'un côté, et par exemple les deux augmentations, puis une augmentation là, deux augmentations, une augmentation, deux augmentations, etc. etc. Et ça, ça ferait un châle asymétrique, oui. En effet, bien vu Alice. Euh, C'est au rang 3 les deux augmentations euh, Non. C'est euh, au rang 1 euh, oui, et du coup c'est au rang 3 aussi, c'est parce que tu, vas plus vite que tu vas plus vite que moi Adeline. Qu'est-ce que ça veut dire deux augmentations qui se suivent C'est-à-dire tu fais une augmentation intercalaire à gauche, une augmentation intercalaire à droite, et voilà. Avec le jeté, ça fait pas de trous. Euh... Alors le jeté, si, ça fait des trous. Mais euh, c'est sûrement ce que souhaite Alimabo si elle souhaite des jetés. Pourquoi trois mailles au milieu si on part sur 5 mailles, il y a la lisière, celle des augmentations, une maille centrale ou encore d'augmentation et la dernière. Alors, non, c'est juste parce qu'on part de 5 mailles pour avoir quelque chose qui est un peu épais et pas trop pointu. Euh, un peu épais, euh, quand je dis un peu, ça veut dire que ça sera légèrement plus large, mais pas trop. Ça va pas faire une pointe, euh, une pointe de flèche. Ça va pas être quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose de plus comme ça. Voilà, ça va être un peu plus doux. Moi, je préfère. Et pourquoi 3 mailles bah parce que une maille ça fait 1. 3 mailles plus 3 mailles ça fait 4. Plus une maille ici, ça fait 5. Voilà. Et c'est des mailles endroit, il n'y a pas de lisière, comme j'ai dit. Asymétrique, pour moi, il faudra recalculer les insertions. Alors oui, si c'est asymétrique, il faudra tout recalculer au niveau des points, par contre. Si on met 3 mailles pour la bordure. 3 mailles pour la bordure. J'ai pas compris, Régine. C'est quoi une augmentation intercalaire Une augmentation intercalaire, là, t'as tes mailles. Je le fais parce que j'ai pas la caméra branchée avec moi aujourd'hui. Là, t'as tes mailles, comme ça. Et en fait, entre tes mailles, t'as des fils au centre. Ça, c'est des. Vous reconnaissez les petits V. Hein? Alors là, c'est dessin en direct. Hein? Voilà, ça c'est sur ton aiguille. Voilà. Et fine. Voilà. Voilà. Et en fait, l'augmentation intercalaire, c'est le fil que tu prends ici. C'est ce fil-là. Tu vas en fait créer des mailles avec ce fil. Donc tu vas soulever ce fil et créer une maille. Voilà. Je vais pas le faire en dessin parce que là, ça serait du dessin animé et on n'est peut-être pas là pour faire du dessin animé. <laughs> euh, et faire un jeté, une augmentation intercalaire, c'est possible aussi si vous avez envie de jeter. C'est quoi du coup C'est une une OGD et une OGG Oui, c'est ça. C'est si euh, si vous si vous utilisez des des, des, des abréviations, c'est og et og g. En effet, c'est ça. Gianelle, un dimanche ensoleillé, tu nous viens avec la loi des sinus et cosinus. <laughs> avec toi, nous aurons toujours des surprises. Et encore, demandez aux, aux triconautes qui ont fait le labo créatif avec moi vendredi, <laughs> sur quoi on est parti. <laughs> on peut faire aussi des KFB. Euh, le KFB, il faudra prévoir plus de mailles, parce que le KFB, il se fait dans une maille normalement. L'augmentation intercalaire, t'as pas besoin de maille supplémentaire. Le KFD, KFB, tu as besoin d'une maille supplémentaire. Un jeté, une maille endroit, un jeté, c'est bien aussi, non Oui, si vous voulez, mais parce qu'en fait, il y en a qui ne voulaient pas de jeté. Donc, euh, moi, je suis partie sur un échelle où il n'y avait pas de jeté. Ce sera donc M1L et M1R. Oui, donc c'est, je le dis, l'augmentation, ça ici. Voilà, on va l'écrire ici. C'est Og D et Og G. Ou c'est, vous savez, il en existe plein des abréviations, donc si on commence à les écrire toutes, on n'est pas sorti. M1L ou M1R. Voilà. Là comme ça, tout le monde est content. Quelle différence en rendu entre l'intercalaire et le jeté Ben l'intercalaire, ça fait pas de trou. Le jeté, ça fait un trou. Tout simplement, Régine. Et oui, Adeline, Adeline qui était là au labo créatif, en effet, on a vu l'anthropométrie vendredi. C'est trop compliqué, mais qu'est-ce qui est trop compliqué ici Dites-moi un peu, parce que là, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui est... Qu est qui est compliqué. Aidez-moi à comprendre qu'est-ce qui est trop compliqué. au rang 2 au rang 2 ensuite ce qui est prévu normalement au rang 2 après c'est euh, tout à l'endroit si vous tricotez en, en jersey tout à l'envers si vous tricotez en jersey sauf que nous on est parti pour faire un motif en poignerie. donc l'idée c'est de tricoter du coup en poignerie. Donc là, c'est pas vraiment trois mailles endroit. En vrai, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. J'avais fait trois mailles endroit pour faciliter la compréhension, on va dire. Euh, N'oubliez pas que là, vous n'avez pas besoin après, si, ça vous, si vous êtes noyé. On fait les, euh, les calculs ensemble. Vous n'aurez pas à faire ces calculs. Le patron, il sera prêt après euh, tout seul. Vous n'aurez plus qu'à le suivre. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer le processus, comment on crée, etc. Euh j'ai pas fait d'augmentation sur les doubles, mais en fait, les augmentations intercalaires euh, doubles, c'est deux augmentations intercalaires simples qui se suivent. Mais oui, j'ai fait une vidéo sur les augmentations intercalaires. Oui, oui, j'ai fait une vidéo sur les augmentations intercalaires. Et de toute façon, on vous mettra des tutos vidéo dans le salon Discord quand le patron sera prêt. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, au rang 2. Donc là, on a, euh, du coup, à la fin, on doit avoir, si on compte, une maille, deux aug une augmentation double. Donc, ça fait... Là, on a une maille. Ça, ça crée deux mailles. Donc plus de mailles. Et là aussi, plus de mailles. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Égal 9 mailles. Ah oui, mais vous ne le voyez pas. Euh, comment je vais faire pour vous montrer Ben voilà. Égal. C'est parce qu'il y a le chat qui me cache. Voilà. Donc, ça, le rang 1 égale 9 mailles. Voilà. Rang 2. Non, il n'y a pas plus de 5 mailles. Là, à la fin du rang 1, on a 9 mailles. Paniquez pas. Paniquez pas. Rang 1, vous commencez avec 9 mailles. Vous montez 5 mailles. Vous tricotez une maille en droit, l'augmentation double qui crée 2 mailles. Vous tricotez ensuite une maille en droit, une maille envers, une maille endroit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et, et la maille endroit qui est après et que vous ne voyez pas parce qu'elle est cachée par le chat. Et tout ça, ça vous fait 9 mailles. Non, ça n'arrive pas à 8 mailles, vous arrivez à 9 mailles. Rang 2. Anne-Sophie, ça fait plaisir de te voir, Anne-Sophie, bienvenue. Rang 2. On part donc sur 9 mailles. Vous tricotez une maille en droit. Puis après, une maille en droit, donc plus loin, c'est la bordure. Voilà. Et entre-temps, vous avez votre poignerie du coup. Donc vous avez les augmentations doubles. Donc pour vous montrer un petit peu, je vais faire un petit, un petit diagramme pour vous montrer. Vous avez en gros, on, on démarre avec 5 mailles. 2, 3. Les cases, c'est des mailles. 3, 4, 5. Donc on démarre avec 5 mailles. On dit une maille en droit. Donc la maille en droit, je vais faire la légende ici. La case vide, c'est une maille en droit. La case avec un point, c'est la maille envers. Ok Très bien. Donc une maille en droit. On fait ensuite une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et en plus, il y a les augmentations ici. Ici, là, les augmentations doubles. Au rang suivant, on a donc 4 mailles qui ont été ajoutées, donc 2 de chaque côté, une, deux, une, deux. Du coup, de l'autre côté, vous allez. Donc là, on a tricoté dans ce sens-là. Donc là, pour le rang 2, on commence dans ce sens-là. Donc, on va tricoter une maille en droit. Euh, pardon, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Tac, 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 voilà. Pour faire notre riz je vous rappelle qu'on fait du riz. Voilà, donc ça, c'est maille en droit sur l'endroit et maille envers sur l'envers. Donc maille envers sur l'endroit et maille envers sur l'envers endroit. Voilà. Donc je répète la légende. Vous avez une case blanche. La case blanche lorsque c'est le un rang impair, donc un rang sur l'endroit, ça signifie une maille endroit. Lorsque vous avez une case blanche sur un rang paire, donc sur l'envers, rang impair et la rang paire, vous devrez la tricoter à l'envers pour pouvoir avoir euh, vos, votre riz, tout simplement. La maille en droit, là, donc là la maille, pardon, avec le petit point, c'est une maille envers sur l'endroit, donc lorsque vous tricotez les rangs impairs. Et c'est une maille en droit sur l'envers, donc c'est les rangs pairs. Donc là le rang 2, ça fait quelque chose comme ça. Au rang 3. Donc là le rang 3, vous avez, on n'a pas fait d'augmentation, donc on, on a le même nombre de mailles. Voilà. Donc là, on a le même nombre de mailles. Au rang 3, du coup. Donc on, là, on tricote dans ce sens-là. Dans ce sens-là, là, pareil, on va devoir suivre le motif pour pouvoir tricoter correctement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va tricoter quand même une maille endroit pour pouvoir avoir une. une bordure. Donc une maille endroit, là ensuite, on va retricoter une maille endroit. Il faut pas oublier, j'ai failli oublier. Entre-temps là, on a tricoté notre maille endroit. On a une augmentation double qui se fait ici. Puis on va tricoter une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et une maille endroit pour terminer. Sans oublier l'augmentation double qui se fait juste avant. On continue. Ça va pour l'instant Dites-moi dans le chat, est-ce que vous allez bien Est-ce que vous allez bien Dites-moi dans le chat. J'attends vos retours. C'est compliqué, hein, mais c'est. C'est pas, pas aussi simple qu'un pull. Hein. Aussi étrange que ça puisse paraître. Voilà. Ok, super. Ouh, vous me rassurez un petit peu là. Ok, on continue. Donc, rang 4. Là, on tricote la maille endroit euh, en pour faire la bordure. Et ensuite, on va continuer le motif. Maille envers, parce qu'on est sur un rang pair, donc maille envers, maille en droit, 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 et on finit par une maille en droit. On continue. Donc là, je n'ai pas fait d'augmentation, donc le nombre de mailles reste le même. Vous pardonnerez ma grille, hein, elle n'est pas très belle, mais vous avez le principe. On continue. Donc là, on est au rang 5. Donc on tricote dans ce sens-là. On va tricoter la maille endroit pour faire la bordure l'augmentation double. On tricote ensuite une maille envers, une maille en droit, 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 une maille envers, et une maille en. endroit Bigre Bigre, bigre, bigre Pour rappel, voilà. Ouh. Pourquoi c'est compliqué de faire des diagrammes quand on est créateur ou créatrice Parce que il faut faire super gaffe <laughs> à ne pas se tromper. <laughs> Donc. Ah oui, j'ai failli oublier l'augmentation double du coup, tellement j'étais concentrée. Sur R3, du coup, en effet, il y a une erreur, du coup, parce qu'il faut que ça soit tricoté en endroit. Donc là, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Et là, il faut que ça soit... Et non, 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 tu me fais faire des bêtises. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et R2, R2, c'est bon. OK. Il y a une erreur sur R3. Moi, je ne vois pas d'erreur sur R3. Les augmentations ne sont plus tous les 4 rangs Non, c'est tous les 2 rangs, on a dit. Fanny, on a dit tous les 2 rangs. Euh, je tricote en même temps que toi. J'ai commencé par un aller-retour à l'endroit avec les 5 mailles. C'est bon, c'est le point de riz, c'est décalé. Ok, d'accord, bon. Alors, ensuite, rang 6. Donc là, on ajoute deux mailles. La formule, on l'a écrite avant, euh, Julie. Elle est là, la, la formule. Une maille endroit, et là, après, le point de riz, et je suis passée sur le diagramme, en fait. Parce que c'était plus simple d'expliquer comme ça. Pour les autres formules, en vrai, c'est dans la formation Mon chat à la carte, où je donne les formules précisément avec les augmentations, le nombre de mailles précis. C'est vraiment des formules comme ça, plus. Donc vous avez vu, on augmente quand même pas mal. Hein. On augmente pas mal du tout. Hein. Bon, après... Euh c'est un dessin, c'est pas à l'échelle, c'est pas l'échantillon, c'est... voilà. <laughs> Mais euh, ça vous donne un petit peu une idée quand même. Donc là on est à rang 6. Je vous rassure, hein, on va pas faire euh, tous les rangs, hein, parce que sinon on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Donc rang 6, on commence par une maille endroit. Et on va tricoter ensuite pour faire. Notre alternance avec le point de riz. Donc une maille envers, une maille en droit, 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 une maille envers, une maille endroit. Farpé. Voilà, donc ça déjà vous avez un petit peu l'aperçu on va dire de ce diagramme. Donc ça c'est pour le point de riz et on va continuer comme ça tout du long. Vous avez remarqué il faut chercher la petite répétition qui fait que ça va marcher à chaque fois. La répétition c'est euh... je la cherche Ben la répétition c'est ça, si je ne me plante pas. Je pense pas me planter en disant que c'est ça. Donc, c'est... Oh, c'est ça. La répétition, elle est là. Euh, elle est là. Voilà. La répétition, elle est là. Mais le plus facile pour vous, c'est de vous dire que vous... On, vous connaissez l'expression tricoter les mailles comme elles se présentent Dites-moi dans le chat, vous connaissez l'expression tricoter les mailles comme elles se présentent euh, C'est pas... Euh, oui, on va commencer par ça. Oui Ok. Eh bien moi... Euh, je vais vous proposer de contrarier les mailles. Est-ce que vous connaissez celle-là Est-ce que ça vous connaissez Contrarier les mailles. Est-ce que vous connaissez Oui, c'est faire l'inverse. Oui, c'est ça. En fait, contrarier les mailles, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, contrarier les mailles, c'est quand vous avez une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers, comme là, par exemple, sur notre poinderie. Au rang 1, au rang 2. Il faut tricoter l'inverse de ce que vous voyez au rang précédent. Donc c'est par exemple si j'ai une maille envers sur le rang précédent, parce qu'imaginez, il faut tourner l'ouvrage. Donc du coup, quand vous voyez du point de riz sur l'envers, vous voyez ici, non pas une maille en droit, mais une maille envers. Donc du coup, il faudra tricoter une maille en droit ici. Puis après, là, ici, vous tricoterez une maille envers, là, une maille en droit, là, une maille envers, etc. etc. On fait le contraire du, de ce qui se présente sous nos aiguilles, en fait. C'est ça. Il faut exactement. Nolwent a exactement l'image. Il faut penser à un damier du jeu de dames. Franchement, c'est nickel. Sinon, on ferait des côtes. Voilà, sinon, on fait des côtes. Donc, euh, c'est pour ça. Si vous tricotez les mailles comme elles se présentent, là, en faisant ça, vous, vous allez faire des côtes. Et on ne veut pas des côtes. Nous, on veut du de riz. Donc, du coup, il faut contrarier les mailles. Alors, la question sur le KFB, j'ai déjà répondu et je pense pas que ça soit une bonne idée parce qu'il va falloir prévoir plus de mailles au départ. Pour tricoter un KFB, tu es obligé d'avoir une maille que tu vas utiliser. Tu peux pas utiliser le brin horizontal qui est entre tes deux mailles. C'est parfaitement clair. Comme le diagramme se lit de gauche à droite, les points blancs. Les points et les blancs se lisent en inversé, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, Ouh. Ouh. ça y est, je suis contente là. On, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a compris. Bien. Alors ensuite, on va passer. Ouh. Donc là, c'est pour le point de riz. On va tricoter une certaine section en point de riz. Et euh, lorsqu'on aura tricoté une certaine section en point de riz, donc c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez tricoter la taille de section de point de riz que vous voulez, si vous voulez une petite section ou une grande section et euh, du coup à présent on va voir comment tricoter notre point de jour oblique donc le point de jour oblique je vais vous écrire l'intitulé je sais qu'il y en a qui sont allés voir petite coquine mais euh, et coquin mais euh, le point de jour oblique il est très facile à tricoter il se tricote sur un multiple de deux mailles Donc ça, ça sera quelque chose auquel il faudra faire attention sur un multiple de deux mailles. Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose auquel il faudra faire attention Parce que comme vous voyez ici, on a une, deux, trois, quatre, 5 mailles. Je vais écrire en, en vert pour que ça soit plus lisible. Là, ici, on a 5 mailles. Là... On a 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Donc là, 9 mailles. Ici, on a 9, 10, 11, 12, 13 mailles. 13 mailles. Et là, 13, 14, 15, 16, 17 mailles. Donc vous avez remarqué le problème C'est un pair Ce qui veut dire que lorsque l'on voudra tricoter notre modèle, notre point de, de jour oblique, il faudra ajouter ou enlever une maille pour avoir le bon nombre de mailles nécessaires pour tricoter nos jours obliques. Vous comprenez le problème C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut c quelque chose auquel il faudra penser. Donc rang 1. Une maille endroit. Un jeté, deux mailles en droit ensemble une maille en droit rang 2 tout à l'envers rang 3 deux mailles en droit un jeté Deux mailles ensemble en droit. Et R4 tout à l'envers. Voilà. Donc ça c'est le... Je vais y arriver. Les explications du point de jour oblique. Du coup, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, on va avoir euh, un certain nombre de mailles pour notre euh, modèle. Admettons, on va partir sur... Euh, admettons. On va partir sur une 11 mailles. Je vais faire exprès de partir sur 11 mailles. Vous allez dire mais c'est pas 11 mailles, c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Mais c'est pour vous montrer et pour pas avoir à, tri à, à dessiner 150 cases. <laughs> vous, vous me comprendrez qu'on n'a pas envie de tricoter 150 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah, je pensais que ce serait plus large que ça. C'est le côté du sud. C'est l'exagération, tout ça. Alors, on commence par une maille endroit. Ça, ça ne bouge pas. Donc là, on est, admettons, euh, on est rang euh, X, euh, rang 11. Voilà. Donc une maille en droit. Nos augmentations doubles, là ici. Et là ensuite, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ben on va faire l'intitulé ici voit là ça on va l'exprimer en en diagramme donc pour la légende un rond comme ça c'est un jeté et le symbole comme ça c'est deux mailles ensemble alors un jeté, deux mailles ensemble, et on fait ça tout du long. Donc un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, et on termine par une maille en droit. C'est le plus facile. Comme ça, ça rééquilibre. Et oui, parce qu'on va être obligé d'équilibrer, les amis. Donc on n'oublie pas l'augmentation double et la maille en droit pour terminer. C'est pas une maille en endroit que tu as fait, JNL. C'est une maille envers, mais c'est pas grave. Donc, au rang suivant, on passe au rang. Donc là, on tricotait dans ce sens-là. Au rang suivant, on ajoute deux cases de chaque côté. Tac. Et plus petites, les cases. Plus petites. Voilà. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ah, Anne-Sophie, vendredi, t'as raté euh, la boîte à son. Hein. Je me suis lâchée. Hein. Euh... Donc, rang 12. On tricote dans ce sens-là. Donc, là, on continue notre motif, mais ça va être super facile, parce qu'on va avoir besoin de tricoter qu'à l'envers. Donc, on tricote juste. Notre, euh, notre maillon droit de bordure à chaque fois au début. Et tout le reste, c'est à l'envers. Pas belle la vie Tu le tricoteras avec nous, Lochelle Oui, je le tricoterai. On passe à rang 13. Ça va, c'est clair là pour l'instant J'ai perdu personne Dites-moi dans le chat si c'est OK. Voilà. Donc là, on passe à rang 13. Donc on tricote dans ce sens-là. On a donc la euh, maille endroit. L'augmentation intercalaire double. Yes, je vois que vous me dites oui, c'est cool. Ensuite. Là, le but, ça doit faire de faire en sorte que au-dessus des jetés... Il va falloir en faire en sorte qu'au-dessus des jetés, on ait des, les deux mailles ensemble au-dessus, et qu'au-dessus des deux mailles ensemble, on ait des jetés. Parce que comme vous le voyez ici, au niveau du rang, il y a un décalage qui se fait. Ici, là, il y a un décalage qui se fait entre le rang 1 et le rang 3, et c'est ça qui va faire que ça va faire des obliques. Donc, pour continuer à avoir nos obliques, on va devoir adapter et faire en sorte que ici on ait deux mailles ensemble. C'est tout à fait possible, il suffit tout simplement de faire une maille endroit, un jeté, deux mailles ensemble, 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 un jeté, deux mailles ensemble et une maille droit. Donc vous avez vu la maille qui était ici la maille d'équilibrage qui était ici, elle est venue se caler ici. Donc on est venu la caler ici pour avoir notre décalage qui se fait. Et oui, tout est, tout est calculé. On n'oublie pas l'augmentation double. Je fais un autre, un autre rang pour montrer ça. Donc là on augmente de 2 mailles. Mais oui ça va être trop beau. Ah vous comprenez mieux avec le diagramme, j'ai bien fait de j'ai bien fait de sortir de, de sortir cette super arme. Rang 14. Rang 14. Euh, non, j'ai pas fait d'erreur au rang 12, Manu. Euh, j'ai noté, c'est pas une maille envers parce qu'on est sur un rang pair. Donc je te remets la légende ici. Ici, quand on est sur un rang pair, le petit point, ça veut dire maille endroit sur l'envers. Donc non, c'est pas une erreur. Donc je remets mon petit point pour dire qu'on tricote une maille endroit. Et là, tout seul, le reste, ça sera tricoté à l'envers. Et on termine par une maille endroit, bien sûr. On tricote ensuite le rang 13-15. Donc pareil, voilà. Dans ce sens-là. C'est pour vous montrer. Hein. Après, c'est le dernier rang que je vous montre. Parce que là, après, je pense que c'est assez clair. Lorsqu'on reprend après. Tac-tac-tac-tac-tac. On tricote la maille endroit. L'alfamoso maille endroit. L'augmentation double. Là, on tricote ensuite. On va faire jeter, comme on a fait au rang 11. Jeter, deux mailles ensemble, 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 jeter, deux mailles ensemble. Heureusement que je n'ai pas fait 150 mailles. Hein. Et on termine donc, comme au rang 11, par une maille endroit et la maille endroit de bordure, sans oublier. L'augmentation double qui se fait entre les deux mailles. Voilà Ouh. Donc ça, c'est pour vous montrer comment on fait pour partir d'un point qui normalement se tricote sur un multiple de 2, comment on fait pour l'équilibrer et faire en sorte de pouvoir le tricoter sur hein, des, des nombres de rangs. Des nombres de mailles impaires parce que là on est sur des nombres de mailles impaires, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est des mailles impaires, c'est un nombre de mailles impaires. Donc, grâce à cette maille d'équilibrage qu'on met ici avec ce juste cette maille endroit ici, ça nous permet de voir qu'on peut adapter un point qui se tricote normalement sur un multiple pair et d'avoir du coup quelque chose qui rentre pour notre point. Alléluia! On aura tout cela par écrit, mais oui, Edith, t'inquiète pas, comme j'ai dit, je vais vous le redire en face, vraiment caméra, parce que c'est sérieux. Il faut, il faut que je vous le dise. Vous aurez un modèle, vous n'aurez pas à calculer, à faire tous les calculs que je suis en train de faire avec vous. Je vous rassure, vous aurez pas à faire tout ça. Ce que je vous propose dans les cales, c'est pas de vous faire calculer des modèles, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne et de vous montrer comment on fait pour faire certains calculs. Comment on fait si vous voulez par exemple avoir un point particulier, si vous voulez utiliser un autre point, comment on fait pour faire des pour faire ces points, comment on fait pour calculer avec les diagrammes. Donc je vous explique tout ça. Parce qu'en plus je ne suis pas de celles qui font de la rétention d'informations, parce que je pense que ça peut intéresser des personnes. Et si ça ne vous intéresse pas, et il n'y a aucun souci, mais de toute façon, vous aurez de toute façon le modèle disponible gratuitement sur le Discord. Donc ça, ça sera certainement la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, je vous le redis. Il y aura le patron, je prends ma voix de radio. Il y aura le patron disponible gratuitement sur le Discord. Ouh On dirait presque quand le président parle à 20h avec mes chers cotriconautes. <laughs> c'est pas mal, c'est pas mal. Le nom du patron en commentaire. Oui, Matou, a raison. Pour la prochaine fois. J'aimerais que vous me proposiez le modèle, le nom pour notre modèle, parce que là, on n'a pas de nom encore pour ce modèle. Donc, j'aimerais que vous me proposiez des noms de modèles dans les commentaires, pas dans le chat. Mettez pas dans le chat, mettez en commentaire. Mettez en commentaire de cette vidéo le nom du modèle que vous aimeriez voir pour ce modèle. Et euh, pour la prochaine radio, on votera. Et comme ça, Matou bah, mettra après euh, le nom sur le, le modèle. Les patrons sont super bien expliqués, merci Nadine. Waouh, le temps passe vite avec toi. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne trouve pas que ce soit des calculs. Alors à la base, je voulais faire des calculs, créa -sev, mais euh, je pense que ça a été plus facile de faire avec les diagrammes pour mieux visualiser. Mais en effet, à la base, je serais partie sur des calculs, mais ça a l'air de bien marcher comme ça. La première et la dernière maille sont toujours à l'endroit. Oui, Rika. Comment on y va sur le Discord Le Hamatou vient de mettre le lien du Discord dans le chat. C'est où les commentaires C'est sous la vidéo. Pour le calcul du nombre de pelotes. Leila, génial. Ça me fait une transition du feu de Dieu. Ça me fait une transition du feu de Dieu pour justement le calcul du métrage. Non, euh... Non, vous inquiétez pas, j'ai pas parlé du nombre de, de pelotes. Donc, je vous dis, attention, là on sort les calculs. Tadam Je prends le tableau blanc. C'est une simulation, mais j'ai simulé la taille de notre, euh, de notre châle. Et euh, pour vous épargner justement les différents. Euh, les différents sinus, cosinus et autres calculs, n'est-ce pas Pour vous épargner ces petites choses-là, ces petites réjouissances, euh, pour vous épargner ces réjouissances, j'ai choisi euh, de vous montrer du coup la formule pour calculer. Donc, pour calculer la formule, vous prenez votre triangle. Vous savez que ici, vous voulez que ici, ça fasse à peu près 180 cm. À peu près. Donc, ce sur quoi vous pouvez partir, c'est qu'en fait, vous allez avoir une certaine profondeur ici. Et là, ici, en fait, il faut simuler comme si vous deviez faire un rectangle il faut faire là notre triangle, il faut dire ok, il faut partir comme si je faisais un triangle, un rectangle. Donc je descends, tout 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 tout. Tac 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 tac. Voilà. On part comme si on faisait un rectangle, de base. On dit voilà, moi j'aimerais une profondeur de, par exemple, j'aimerais que mon châle, il ait une profondeur de... Admettons, euh, je ne sais pas... 80 80 cm ça me semble pas mal en profondeur ok maintenant que vous avez votre profondeur et votre largeur vous avez en fait ces éléments là donc 80 cm 180 cm de large pour la formule vous allez donc avoir besoin des éléments suivants Attention, là c'est vraiment une formule, donc notez bien nombre de rangs de l'échantillon. Et encore c'est la version simplifiée, hein. c'est pas des gros maths, hein. parce que je l'ai dit, moi je l'ai fait avec les sinus cosinus, hein, donc euh, pour être vraiment sur quelque chose de, de clair. Si vous voulez, je vous expliquerai la version. Euh. Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous intéresse de voir la version plus mathématique ou pas Fois 3 fois la largeur du morceau. Fois la hauteur. Divisé par 10. Et ça, ça va nous donner la longueur en centimètres. Le nombre de rangs pour notre échantillon, donc moi pour moi je vous le dis, mon échantillon c'est 21 mailles pour 28 rangs. Donc le nombre de rangs pour l'échantillon pour 10 cm c'est 28 fois 3 fois la largeur, donc 3 fois 80. Fois la hauteur, euh, pardon, 180. Fois la hauteur divisé par 10. Donc la hauteur, 80 divisé par 10. Très bien. Donc ça nous fait 28 fois. Alors, 3 fois 180, ça fait... Euh, juste 5 minutes que je calcule. 3 fois 180, ça fait. Euh... 540. 540. 540. Fois 80 divisé par 10, ça fait 8. Ça, c'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a

120 000... Je crois pas me tromper. Hein, vous me dites dans le chat, mais je crois pas me tromper. 120 000, euh, 960. Voilà. Ouh. Et ça, c'est des centimètres. Hein. Ouh. Yes, 120 960. Hi ça c'est du, du calcul mental où je ne m'y connais pas. Hein. Donc là maintenant le but ça va être de convertir vos centimètres en mètres. Parce que les comment dire les pelotes, elles sont en mètres, elles sont pas en centimètres. Donc là, 120 960, ça fait 1209 centimètres. 1209 mètres. Voilà. Bingo, vous avez exactement le nombre de mètres qu'il vous faut pour votre euh, votre tricot. Et par exemple, du coup, quand vous avez la charisma, donc comme mon cas, 1209 mètres ma pelote, une pelote, c'est combien, c'est 100 mètres, je crois. Voilà, c'est 100 mètres. Donc du coup, il va me falloir prévoir Il va falloir que je prévois euh, t, 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 t. Euh, 1209 divisé par 100. C'est ça qu'il faut faire comme calcul. Hein, C'est ça que je suis en train de faire dans ma tête. Hein. 1209 divisé par 100. Ça fait... Oopsie. Ça fait euh, bah, 12 pelotes, environ. Environ euh, 12 pelotes. Tout simplement. Voilà, 12 plus 1. Oui, 12 plus 1 pour euh, la marge. Parce que c'est 12,9 pelotes. Donc euh, 12 plus 1 pelote de marge. Et là, en fait, vous allez avoir de base... Plus de pelotes que ce qui est nécessaire. Vous allez avoir plus de pelotes que ce nécessaire. Pourquoi Parce que là on a calculé si on avait ça en plus. Mais c'est pas le cas. On va pas avoir ça. Mais ça vous permet d'avoir une idée générale de à peu près ce dont vous aurez besoin. Mais si tu tricotes avec des aiguilles 5, ton châle, il sera plus grand. Oui, mon châle, il est plus grand. Mais je veux dire, l'échantillon, c'est, je suis partie de l'échantillon de base. Il faudrait que je fasse l'échantillon. <laughs> la bordure est comprise. La bordure est largement comprise. Parce que la bordure, euh, c'est ça en plus. Et il faut savoir que ben, tu as tout ça de marge déjà. Donc euh, c'est bon, tu auras assez pour faire ta bordure. T Auras assez pour faire ta bordure. Ouh. Mais attention! Attention, c'est juste et uniquement si vous avez exactement le même échantillon que moi et le même métrage de pelote. C'est pour ça que là, ce, ce calcul. Il faudra le refaire si vous prenez une laine différente. Là, je vous donne les clés pour le coup pour que vous puissiez le faire avec une laine différente. Euh, Alimabo, j'ai pas vu ta question sur l'angle. Si tu veux, repose là. Ah, donc je répète, mais ton calcul tient compte de l'angle d'augmentation Oui, mon calcul tient compte de l'angle d'augmentation du coup. S'il si peut répondre à ta question, oui. Ça tenait compte de l'angle d'augmentation. Deux couleurs, je sais pas si je ferai deux couleurs, j'en sais rien encore. Pour le coup, je me laisse le, le choix du roi. Quelles aiguilles prévues Quatre ou cinq Bah ça dépend ta pelote. Comme j'ai dit, tu prends une aiguille, une taille d'aiguille de plus que euh, ce qui est prévu. Donc, pour récapituler en gros Attention Si vous prenez si laine différente Donc échantillon ou métrage Il faut Refaire le calcul. Et vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Il faut refaire le calcul. Des convertisseurs centimètres-mètres sur internet, vous avez des convertisseurs centimètres-mètres, ça tombe. Autre élément. Le type de laine, c'est coton, donc moi, non, c'est de la charisma. L'échantillon est dans quel point J'ai fait un échantillon avec le point de riz pour démarrer. Laine ça ira, oui. L'échantillon se base sur quel point Point de riz. Donc si on fait un châle asymétrique, il faudra reprendre d'autres formules. Si tu fais un châle asymétrique, il faudra que si tu fais un châle asymétrique anaïque, il faudra que tu fasses la simulation comme si tu tricotais un rectangle en fait. Déjà en fait, voilà. Je vais le dire. Si tu fais un triangle asymétrique, il faudra que tu partes avec ton angle de départ, donc par exemple 110, comme on a dit, la largeur de ton tricot, donc par exemple 180, ce que tu veux avoir. Et là, si tu pars sur 110, il faudra que tu calcules les angles ici. Donc là tu risques d'avoir un angle plus petit, donc par exemple 30. Ça fait pas beaucoup. Euh, on va dire. Euh... Ouais, 30, allez, soyons fous. 30. Et il faut que ça fasse le tout, les, la somme des trois angles fasse 180. Donc 110 plus 30, ça fait 140. Donc là, il faut que ça te fasse 40 degrés ici. Donc normalement, ton, ton châle, il aura quelque chose comme ça. Tu pars de ton angle de base, tu dis ok, donc mon châle fera à peu près 110 degrés en, en hauteur, comme ça. Tu pars avec tes angles de ce côté, l'angle de l'autre côté, et après le reste tu fais comme ça. Alors on me demande les calculs plus mathématiques. On me demande les calculs plus mathématiques, ok. Donc admettons, je vais faire exprès de partir sur un autre cas que celui qu'on a. On va partir sur le cas d'un châle triangle, un peu plus profond que ce qu'on prévoit de faire. C'est un exercice, hein, donc ne euh, vous inquiétez pas, ce n'est pas le châle triangle qu'on va faire. Donc, admettons, nous, avons un, nous allons faire un châle qui a un taux d'augmentation tel qu'on va avoir un, un angle à 70 degrés. Ça veut dire que de chaque côté, pour avoir un total de 180 degrés, est-ce que la somme des trois angles d'un triangle égale 180 degrés Go back, go back in, in mathématiques. Ce qui fait des angles à 55 degrés chacun. Et on se dit qu'on veut une largeur de 180 cm. Voilà. Bien. Quand vous avez ce genre de choses déjà, vous avez assez. Et là, je vais vous renvoyer après vers euh, non pas les formules trop mathématiques, mais vous allez avoir besoin des sinus, cosinus. Et compagnie pour pouvoir avoir donc les règles de trigonométrie pour celles, que, celles à qui ça parle celles et ceux à qui ça parle les règles de trigonométrie donc je vous renvoie vers ces formules là et en fait ces formules là ça va vous permettre de calculer la hauteur ici Une fois que vous aurez cette hauteur ici, vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir calculer après votre échelle. Voilà, c'est l'explication un peu plus mathématique, j'ai pas sorti les gros cosinus sinus euh, qui font peur un petit peu, mais euh, j'en ai juste vaguement parlé. Donc vous inquiétez pas, partez pas en courant. <laughs> Ça veut dire que vous achetez approximativement le bon nombre de pelotes grâce à votre expérience. Alors ça c'était un, 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 une, un, une papote. Ok. Ok, ok. Bon. Eh bien écoutez. Je pense qu'on a fini. Moi je vous dis... Euh... Je vais prendre la laine charisma, je vous l'ai déjà dit. Peut-être en bicolore, peut-être en unicolore, je sais pas encore. J'ai pas parlé de l'incrustation parce qu'elle est super simple en fait. Elle se fait sur point mousse et en fait elle va être en centre. Donc t'inquiète pas, Claudine, j'ai fait exprès parce que c'était le truc le plus facile pour le coup. Est-ce qu'on doit prendre nos mesures des épaules et dos il vaut mieux que tu mesures la longueur que tu aimerais avec ton mètre de couture. Tu fais, en fait, tu, avec ton mètre de couture, tu le mets dans le dos et tu mesures combien tu aimerais que ton châle fasse grâce à ton mètre de couture. Comment on définit le taux d'augmentation Tu le définis en fonction de la forme de châle que tu veux. Euh... Alors, écoutez. Ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est juste de me proposer un nom pour notre modèle dans les commentaires. Je compte sur vous, c'est super important. Je compte sur vous de me mettre le nom, votre proposition de nom pour notre, pour notre modèle ensemble, dans les commentaires, et on votera à la prochaine radio. Une vraie petite perle, cette GNL. Merci, Nathalie, c'est gentil. La Royale de Ziman, c'est de l'acrylique, donc oui, ça marche bien. La laine Charisma, c'est quelle marque C'est Drops. Au blocage, la dimension du châle. C'est rien, c'est le chapeau de la théière qui est parti. Au che blocage, la dimension du châle s'agrandira Oui, forcément. Il sera assez aérien avec une laine 4. Il sera aérien grâce au. Euh jeter bon et eh bien écoutez moi je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve donc euh, dimanche prochain pour notre euh, nouvelle radio en attendant prenez bien soin de vous et moi je vous fais des bisous ciao ciao